celui ou celle qui se fait appeler Eluma Wa, connu pour son travestissement, n'a pas fini de faire parler de lui. Complètement métamorphosé, Elat Ndiaye, de son vrai nom, ne dégage plus aucune allure d'un homme. Physiquement, il a tout d'une femme, un relooking qui suscite toujours autant d'interrogations. Interpellé sur sa métamorphose par un de ses proches, l'homme transvesti n'a pas mâché ses mots car selon lui, personne n'a demandé à naître ni choisir de ses parents, encore moins de choisir son orientation sexuelle. Aluma Wa de poursuivre, je n'ai pas changé, j'ai juste grandi et je suis devenue la personne que je devais être. Je sais qui je suis, ce que je ressens au fond de moi et qui est d'ailleurs inexplicable car personne à part Allah ne pourra comprendre. L'homme qui était perçu comme un fervent musulman jadis a tenu à préciser que sa foi en Dieu est aujourd'hui beaucoup plus immense. J'avais juste besoin de libérer la femme qui était emprisonnée dans le corps d'un homme dans lequel je vivais, conclut l'homme ou bien la femme qui est devenue Elat Ndiaye.